La semaine dernière, nous avons découvert Val d'Amer et son super Wooden Robin Flyer 2. Tellement fabuleux qu'on le refait tout de suite, hein. Pas pitié d'Anton, n'est-ce pas? Oh putain, c'était vraiment, comme tu dis, un putain de grand plaisir. C'était vraiment très bien, mais comparé à ce qui va arriver prochainement, ce n'était qu'une simple mise en bouche. Nous sommes en effet à une semaine de trip, nous en reste encore deux, avec de très très gros parcs. Mais cette semaine, c'est un épisode bonus que je vous propose, il s'agit d'une visite de parc aquatique dans l'hôtel Castaway Bay, hein, qui est un espace directement présent dans le complexe, à proximité de Cedar Point. Oh, le Castaway Bay, bien installé, regardez-moi. Avec cette petite chemise là, comme il est pas fringant. Avec le Disneyland quand même, Californie. Alors, regardez-moi cette vue sur le parking, malheureusement. Mais si on est de l'autre côté, nous avons Cedar Point à quelques encablures de là. C'est assez incroyable, Emeric. Oh là là, mais ça, voilà, c'est le rêve là. Là, un rêve qui se réalise. Ah oui, tout à fait. Et pendant ce temps-là, la chambre à peine investie, j'ai envie de vous dire que Daube est parti aux toilettes. Je l'ai bloqué. Il est bloqué. Je peux plus sortir. Ça valait sur la taille de la poignée. C'est de la faire à l'américaine. Ah, bravo. Ah, c'était cette belle chiotte, je vous dis. Allez, on slip là, merde. Allez, on slip. Oui, parce qu'on a un parc aquatique et peut-être que je vais vous embarquer d'ailleurs, parce que c'est vrai que la GoPro elle peut aller dans la flotte. Bon bref, allez, on slip. Franchement, j'ai la banane. Oh! Non, c'est pas validé, hein. C'est pas validé. Faut pas l'encourager. En commentaire, dites que c'était pas terrible. C'est tout. Dépêche-toi, vite, dépêchez-vous. Oh, c'est beau. On voit rien, mais c'est beau. Le water park, par ici, là. Ça fait même pas 5 minutes qu'on est arrivé et on est déjà en slip pour aller tâter du toboggan. Parce que le parc ferme à 22h, ça c'est fabuleux. Fais une bonne journée à Cedar Point, bah, tu fais encore un parc aquatique, c'est magnifique. Bon vol! Oh, ouais. Oh là là.
toboggan là c'est validé. Ah, cet éjecteur, bon il n'y a que deux descentes, mais alors c'est très très fun et c'est vrai qu'on prend en vitesse, on se retrouve dans le noir, on sait pas trop ce qui se passe, et ça c'est incroyable. Bon, histoire de vous présenter le parc, voici le plan, ce sera un petit peu plus simple pour s'orienter. Là on vient juste de faire le Master Blaster, donc toboggan bouée propulsée. Ici on a donc une piscine à vagues, il y a des jacuzzi, un arbre à eau pour les mioches et trois toboggans qui, comment dire, ne vont pas me laisser indifférent, hein. Ça c'est sûr, vous allez voir le dégât. J'espère que vous m'entendez toujours, j'espère que le micro n'est pas trop plein de flotte. Là, il y a trois toboggans à faire. Ah non, mais c'est quoi ça? Ah ouais. Ça a l'air costaud. Oui, oui, allez, c'est parti. Oh là là. Oh là là. Je vais arrêter la GoPro parce que clairement je suis pas en mode confort pour pouvoir filmer, donc je vais carrément enlever la GoPro et comme ça je vais pouvoir un peu plus profiter hein, quand même, hein. C'est quand même, on est là pour ça. Hein. Bon voilà, j'ai refait les toboggans les gars, c'est un peu, les toboggans ils sont très violents, surtout le rose là que j'ai fait avec vous. Oh putain, j'ai fini, j'ai raclé le sol, donc là ce qu'on va aller faire, on va aller se poser dans les bubble baths. Bon alors c'est où? Ah oula. Ah les vagues. Mon pied vient à peine de se remettre de ses émotions. Oh là là. Oh ah oh. C'est violent. Jacuzzi. Oh oui, c'est chaud. Oh, ah la vache. Ah, c'est bouillant, ouais. Oh. Ah, vous voyez pas ce qu'on ressent, mais c'est incroyable. Qui expérimente le jacuzzi? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vas-y, calcule. Fais sur la glotte, sur la glotte. Allez, la piscine est fermée, il est temps d'aller se reposer. Elle est sympa cette petite piscine, il y a juste ce qu'il faut. C'est pas trop grand, pas trop petit, mais très sympa. Donc voilà, petite piscine qui ferme à 22h, donc ça c'est pas dégueulasse parce que du coup après c'est l'arbre. Vous pouvez très bien aller vous détendre. Moi ça c'est total quand même pas sympa, là vous avez toutes les lumières de toutes les activités locales du port de Cedarpon. Donc là on est à Castaway Bay et Cedarpon lui il est plus par là-bas. En tout cas voilà, pour cette petite piscine c'est validé. Et en plus regardez, vous avez des trucs, des petits snacking là qui sont ouverts. Il y a même un Starbucks qui est juste là, dans l'hôtel en fait. On fait l'hôtel le premier soir celui-là. On va faire la photo avec lui. Always look on the bright side of life. Magnifique. Ouais, c'est tout. Voilà. Il y aura pas plus. Et oui, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais, c'est court, mais c'est mieux que rien. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, vous connaissez les bons bails, l'abonnement, le like. N'hésitez pas surtout à rejoindre la horde des droppers. Parce que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h sur ma chaîne pour la première de la fameuse et tant attendue vidéo sur l'île des merveilles, Cedar Point.